Important d'aller à ce débat concernant la disparition du franc CFA au détriment de l'euro. Nous avions été surpris le 21 décembre 2019 par l'annonce conjointe par les présidents français et ivoiriens Macron et Ouattara de la disparition du franc CFA. Et des conditions dans lesquelles la nouvelle monnaie ECO doit fonctionner. Mais les éléments qui ont accompagné la description de ces conditions nous paraissaient flous. Nous avons cherché à savoir si c'était juste un changement de dénomination ou alors une réelle monnaie africaine. Et donc, comme nous savons que M. Khalif et M. Kakoli Mouffor se sont occupés de cette question avec quelques points de divergence, nous les avons sollicités, les avons convaincus pour qu'ils puissent venir éclairer le public. Et donc, en fait, c'est dans un but pédagogique et informatif que nous avons initier ces débats citoyens de SICA, parce que nous considérons que la question monétaire ou la question de la souveraineté monétaire est une question primordiale pour le développement et l'émergence de nos pays. Mais ce ne sont pas des questions qui doivent être laissées à des experts ou à des intellectuels, mais qui vont descendre dans la masse pour être expliquées et permettre aux gens de savoir et de comprendre ce que c'est. C'est pour ça que nous avons initié ce débat.